C'est grand, bruyant et surtout plein de dirigeants corrompus et d'habitants lèche-cul, mais c'est chez moi. Vous avez rien mieux à faire? Salut, Nat. Hé, monsieur! L'interview que vous avez donnée à Piper se vend vraiment bien. Tenez, voilà votre exemplaire gratuit. Qui a besoin d'une bonne coupe de cheveux? Tout le monde! Ne soyez pas timide! Enlèvement d'enfants! Un père brave des dangers de Vous savez qu'on s'apprête à entrer dans Boston Common. Les gens ne reviennent jamais. On peut y aller. Ça nous sera plus utile de toute façon. Y'a plus rien. Merde, j'ai perdu. On va pas nous chercher. Qui est là? L'œil. Je crois que c'est enflure un stealth boy. Aucun signe. C'est quoi ce bordel? Thank you.
bruit ? Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. Une assurance ? Ouais, une assurance. Protection de la personne, si on veut. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, ou il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. Oh là, temps mort. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On touche pas. Fous-lui la paix. C'est bon de te revoir, Nick. Hancock. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn ? J'ai dit fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein ? Tu me brises le cœur, et c'est pas bien, ça. Ça va, mon pote ? Je vais bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La devise de Good Neighbor, c'est « par le peuple, pour le peuple ». Vous me suivez ? Tout le monde est le bienvenu. Ouais, je vous suis. Nickel. Restez cool, et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. Salut. Je connais pas la confrérie de l'acier, personne. Excusez-moi. Oh, un nouveau visage. Et qui arrive sans hurler en plus, ça change. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Et j'ai un peu de tout. Tout va bien ? La confrérie de l'acier a intérêt de pas s'approcher de Good Neighbor. J'en ai vu des trucs pas nets dans ma vie. Mais un bateau volant ? Oh merde ! Notre vie à gérer, pas de problème. Mais je voudrais pas qu'on oublie. Tiens, monsieur Valenta. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement. Vous venez voir Amari ? Elle est en bas. Amari est en bas, bourreau des cœurs. Docteur Amari ? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Je vous laisse prendre les choses en main, Nick. On a besoin d'extraire des souvenirs, Amari. Mais ça ne va pas être évident. Le sujet Kellogg est, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessite un cerveau intact et vivant.
Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Continuez, docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais c'est un risque énorme. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous faites pas de bile pour moi, Marie. Ça fait un bail que je suis plus sous garantie. Merci beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. C'est quand vous voulez, monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord ? Voyons voir. Continuez à me parler, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Bon, eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Vous m'entendez ? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner. Bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Souvenez-vous. Vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je... Maman connaissait la vie. Elle était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards.
Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat. Peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'était le bonheur. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Ça va aller, tu verras. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah. On doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais, mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe, dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai te faire... Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre? Je vais te dire, connard, on les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait, mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps. Me faisait toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre. Ça vous dérange si on s'assoit? J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. Faites comme chez vous. Il y avait toujours du boulot pour quelqu'un comme moi. Je me fichais de ce qu'on me demandait de faire ou de qui on me demandait de tuer. Je suis devenu plutôt doué. Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul
contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Allô ? Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent, ce qui me convenait très bien. Vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la bruie. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule C6, au bout du couloir. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi, et je faisais en sorte qu'ils le sachent. N'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. C'est celle-ci. Ouvre. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. C'est fini? Presque. Tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Viens, viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas chance. Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste le bébé. Séquence cryogénique. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. S'il a réussi à m'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Qu'est-ce que tu attends? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. Je suis... vraiment désolé que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème... Je ne vois qu'une seule solution.
J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul, contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leur synthétique. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent, ce qui me convenait très bien. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B-748, initialisation. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman ? Rien, Connie. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. N'écoute pas ces bêtises. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Je sors. Qu'est-ce que j'ai fait des bottes, bordel ? Écoute-moi bien, Connie. Prends ça. Tu es assez grand. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien. Mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. J'apprendrai, maman. Promis. Tu peux compter sur moi. Tu as toujours été un bon garçon. C'est votre fils ? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. C'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire, et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Je ne dis pas qu'elle a raison. Kellogg. C'est bon. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains, et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'était des tueurs, ni plus ni moins.
plus malin, plus fort et plus rapide que la plupart des êtres humains. Pas fâché qu'ils aient toujours été de mon côté. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté ? C'est-à-dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer d'une naissante. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine ? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences ? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X-688. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, Monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Salut. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Allez-y doucement, d'accord ? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien ? Ça va, docteur. Merci. Très bien. Mais je veux que vous surveilliez votre état. On doit s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur le long terme. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu ? J'ai vu la vie de Kellogg. L'homme qui a détruit ma famille. L'homme que j'ai tué. Oui. C'était un être humain comme nous tous. Et son passé explique en partie l'homme cruel qu'il était devenu. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je ne sais pas, docteur. Je ne peux pas non plus vous dire ce que vous devriez ressentir. On s'éloigne du sujet. Le plus important, c'est qu'on a découvert le grand secret de l'Institut, la téléportation. Il ne nous reste plus qu'à décider de la suite des opérations. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis ? Laissez-moi réfléchir. Et ce Virgile, le scientifique qui s'est enfui de l'Institut ? On a un ennemi commun. S'il est toujours en vie, il acceptera peut-être de nous aider. Bonne idée. D'après ce qu'on a vu, l'Institut l'aurait traqué jusqu'à la mer luminescente. Mais ça m'étonne. Même un fou réfléchirait à deux fois avant d'aller là-bas. Si on doit retrouver Virgile, j'irai quand même. Si vous comptez y aller, préparez-vous bien. Vous aurez besoin de protection contre les radiations. Cette mer porte bien son nom. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance. Et... faites attention. J'ai débranché Monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage.
Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. J'arrive pas à le croire. On aurait vraiment dit Sammy. Mais il se comportait pas du tout comme lui. L'Institut croit pouvoir remplacer les habitants de cette ville par des synthétiques ? La bonne. Vous me pompez mon espace vital, monsieur. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à sa mère ? Vous voulez un truc pour oublier vos soucis ? Allez voir Fred Allen à l'hôtel Rexford. Il a ce qu'il vous faut. Oui ? Vous sentez ça ? C'est le parfum de la liberté. Thank you.
Arrêtez-vous, je vous prie. Vous approchez des terres sacrées d'Atome. Que faites-vous ici? Énoncez vos intentions ou vous subirez sa fragmentation. Je suis là parce que j'ai besoin de votre aide. Vous cherchez la fragmentation? Êtes-vous là pour fusionner avec Atome et contempler sa gloire infinie? Ou cherchez-vous à éliminer ses fidèles? Je cherche quelqu'un, un certain Virgile. Virgile? Ah oui, nous connaissons ce Virgile. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il a des informations dont j'ai besoin. Je vois. En réalité, Virgile nous a donné quelques motifs d'inquiétude. Certains pensent que sa présence est un affront à Atome. Bien qu'il vienne parfois faire du commerce avec nous, nous avons très peu de contact avec lui. Il est clair qu'il souhaite qu'on le laisse tranquille. Vous le trouverez au sud-ouest du cratère, dans une grotte. Si j'étais vous, je resterais sur mes gardes. Je crois qu'il n'aime pas les visiteurs. Le monde vous contemplera. Kellogg est mort. Mort. Il est... mort. Ne me prenez pas pour un idiot. Il est mort. Que vous me croyez ou non. J'avoue que c'est assez difficile à croire. Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'Institut l'a employé toutes ces années pour faire son sale boulot. Je savais qu'il l'enverrait m'éliminer. J'ai essayé de m'y préparer, mais je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, vous l'avez tué, hein? Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous avez quitté l'Institut? Je sais que vous travaillez là-bas. Vous savez que je me suis enfui? Mais comment? Non, ça n'a aucune importance. Je n'y retournerai pas. Je ne peux pas. Regardez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, d'abord? Qu'est-ce que vous me voulez? Du calme. Je veux simplement savoir comment accéder à l'Institut. Attendez, quoi? C'est une blague. Vous voulez entrer dans l'Institut? Vous avez perdu la tête. Admettons que ce soit possible. Même si vous réussissiez à entrer, il vous tuerait avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à prendre un risque pareil? J'essaye de retrouver mon fils. L'Institut l'a kidnappé. Oh... oh non, je ne savais pas. Je suis désolé. C'est vrai que l'Institut a enlevé des habitants du Commonwealth par le passé. Si votre fils en fait partie, je peux comprendre pourquoi vous voulez aller là-bas. Je peux vous aider, mais je vais avoir besoin de quelque chose en échange. Vous m'aidez, et je vous rendrai l'appareil. Très bien. Si je vous aide, vous allez faire quelque chose pour moi. Avant d'être obligé de m'enfuir, je travaillais sur un sérum capable d'inverser cette mutation. Il pourrait me faire redevenir normal, vous comprenez? Donc si vous allez là-bas, je voudrais que vous le récupériez dans mon ancien bureau et que vous me le rapportiez. Je crois que c'est un marché raisonnable, en échange de mon aide. D'accord? On va discuter des détails. Avant tout, est-ce que vous savez comment les synthétiques entrent et sortent de l'Institut? Ouais. Ils utilisent une sorte de téléporteur. Tiens, tiens. Peu de gens le savent. C'est un secret bien gardé.
Je vois que vous n'avez pas manqué de vous renseigner. On appelle ça un relais moléculaire. Je ne comprends pas tout à fait son fonctionnement, mais ça marche. Le système vous dématérialise, puis vous rematérialise ailleurs. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité. Ce relais est le seul moyen d'entrer et de sortir de l'Institut. Vous comprenez ? Le seul. Ça veut donc dire que vous allez devoir l'utiliser. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu un chasseur de l'Institut ? Ouais, un bon paquet. Ne vous foutez pas de moi. Si vous en aviez vu plus d'un, vous ne seriez pas devant moi. Les chasseurs sont des synthétiques de l'Institut conçus dans un seul but. Tuer. Une mission tourne mal, un synthétique manque à l'appel. On envoie un chasseur. Ils sont extrêmement doués, et vous allez devoir en tuer un. Pourquoi je dois en tuer un ? Vous voulez accéder à l'Institut, non ? Eh bien voilà votre ticket d'entrée. Les chasseurs sont dotés d'un composant spécial qui permet une connexion directe au relais de l'Institut. Il est intégré à une puce dans leur tête. Il vous faut cette puce. Et le seul moyen, c'est de la prendre à un chasseur. Par contre, je ne sais pas trop où vous pourrez en trouver un. Ils n'en ont pas envoyé à mes trousses. Et attendre ici ne changera rien à la situation. Il va falloir que vous en traquiez un. Je peux vous dire où commencer et vous aider à le localiser. Mais vous devrez faire le sale boulot. D'accord. C'est parti. Bien. Le point d'entrée principal des chasseurs se trouve dans les ruines du CIT, juste au-dessus de l'Institut. C'est là-bas que vous devez aller. Le relais provoque de fortes interférences sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Votre Pip-Boy est équipé d'une radio, non ? Une fois dans les ruines, réglez-la sur une fréquence assez basse et écoutez. Vous entendrez les interférences. Suivez le signal et il vous mènera à un chasseur. Ensuite, il faudra juste éviter de mourir. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez peu de chance. Mais si vous réussissez, n'oubliez pas mon sérum. J'en ai vraiment besoin. J'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous cherchez. Salut, Doc. J'espère que c'est une urgence. Oui. Dites-moi ce que j'ai, docteur. Parlez-moi de vos symptômes. Trop de radiation. Je me sens pas bien. Les gencives qui saignent. C'est de l'anémie, ça. Allez, on va vous soigner. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous voulez me parler ? Non, c'est bon. Au revoir, alors. Hé ! Attendez là. Allez !
petit conseil. Ne traitez jamais votre mère de cette façon. Ça fait du bien d'être de retour à Diamond City. Oh, Valentine. On reprend la route. Ça vous dirait qu'on voyage un peu tous les deux ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. Allons-y. Bon, d'accord. C'est bon, mon grand. Je prends le relais. Comme ils ont peur. Ça pourrait être la devise de Diamond City. On va prendre ça. Le chasseur est au premier. Tirez à vue. Et envoyez des renforts dans l'entrée au cas où il y en aurait d'autres. Thank you.
Ça, c'était vraiment couillon. Qu'est-ce qui se passe en bas? Il y en a combien? Le chasseur est au deuxième maintenant. On me dit qu'il y a un deuxième intrus dans l'aile est, près de la cour. Barricader les cages d'escalier et les couloirs, si c'est pas déjà fait.
terminal, il y a qu'à demander. J'ai toujours su me débrouiller avec les machines. Hé, c'est quoi le plan? Hé, vous avez besoin de quelque chose? Qui est là? Fallait pas me chercher. Je jette un œil à ce terminal, il y a qu'à demander. Je suis me débrouiller. Qui est là?
possible de pirater ça. Si vous devez me tuer, alors allez-y. C'est trop bien protégé. Il méritait de mourir. Je sais que vous n'êtes pas là pour moi, mais je suis un peu coincée, en fait. Je ne peux pas m'en sortir seule. Je vais devoir vous faire confiance. Hé, je suis tout oui. Voilà ce que j'ai. Hé, dites-moi tout. Nick. Allez-y. Un avis sur la situation? Ça m'étonnerait que l'Institut nous laisse descendre son larbin impunément. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour analyser cette puce. Et vite. C'est tout pour l'instant. Ok, d'accord. Excusez-moi. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dites rien. Et filez d'ici.
Good Neighbor, les bas-fonds du Commonwealth. Tout ce qui n'est pas cloué au sol finit par passer par ici un jour ou l'autre. Salut. Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. D'accord. Voyons ça. On va vous trouver ce qu'il vous faut, Terreur. Aimez les histoires qui font peur. Vous devriez être. Tout va bien ? Ravi de vous revoir. La mère luminescente, Virgile, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai retrouvé Virgile. Il sait comment accéder à l'Institut. Mais il me faut un code intégré à la puce d'un chasseur. La puce d'un chasseur ? Vous avez combattu un chasseur ? Mince alors. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. J'ai travaillé sur pas mal de synthétiques, mais jamais de chasseurs. Je ne sais rien de ce genre de puce. Et encore moins comment les décrypter. Par contre, il y a des gens qui le savent peut-être. Je travaille avec un groupe. Disons que ce sont les seuls que je connaisse qui pourraient tenter de pirater les protocoles de sécurité de l'Institut. On les appelle le réseau du rail. Merci, docteur. Comment je peux les trouver ? Je ne peux pas les contacter directement. En général, ce sont eux qui viennent me voir quand ils ont trouvé un synthétique qui s'est échappé de l'Institut et qui veut de nouvelles mémoires. Cela dit, ils m'ont donné une phrase codée à utiliser si jamais j'ai besoin d'eux. Suivez le chemin de la liberté. Très bien. Je les trouverai. Bonne chance. Et désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. J'espère que vous réussirez à démêler tout ça au fur et à mesure. Troisième rail.
les voilà. Aménagez vos efforts pour arranger cette rencontre. Mais avant d'aller plus loin, vous allez répondre à mes questions. Qui êtes-vous ? Pas un geste ! Et si vous commenciez par me dire qui vous êtes ? Vous vouliez nous voir, alors vous allez devoir vous conformer à nos règles. Répondez à ma question. Commencez par poser vos armes. Tant que je n'aurai pas décidé que vous ne représentez pas une menace, on pointera nos armes où ça nous chante. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous ? C'est le docteur Amari qui m'a dit où vous trouver. Très intéressant. Dernière question. Qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai pisté et abattu un chasseur à GreenTech Genetics. Et j'ai besoin d'aide pour décrypter le code de sa puce. Vous avez quoi ? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Je savais pas qu'on faisait la fête. Et mon invitation alors ? Ah, je vois que vous avez invité l'as du dégommage de chasseur. Sympa. Deacon, t'es en retard. Tu dis qu'on a affaire à quelqu'un qui a réussi à tuer un chasseur. Sans aide ? Même Glory en baverait. T'es pas au courant ? Ce type a déjà une réputation dans le coin. T'as fini de l'interroger, vaudrait peut-être mieux faire preuve d'un peu de courtoisie à son égard. Je vous dois des excuses. Tous ceux qui nous débarrassent des chasseurs sont mes amis. Je m'appelle Desdemona, et c'est moi qui dirige le réseau du rail. Ouais, ouais, on est tous potes maintenant. Et si on passait directement au moment où vous m'aidez ? Votre attitude ne me plaît pas trop. Des, il faut qu'on le laisse entrer. Il a une puce de chasseur intacte, putain. Et les protocoles de sécurité ? Mais on s'en fout ! Il a tué un chasseur. C'est bien la preuve qu'il bosse pas pour l'Institut. On va vous laisser entrer dans notre quartier général. Aucun inconnu n'a eu ce privilège avant vous. On discutera de votre puce à l'intérieur. D'une puce de chasseur est une opération très délicate. Il y a un paquet de trucs qui peuvent aller de travers. Le moins pire étant la perte des données qui sont dessus. Heureusement, on a un expert sous la main. Salut, Dez. T'as besoin de quelque chose ? Tom, notre camarade a une puce de chasseur. Non, sans blague ! La vache, ça fait un bail ! Bien, mettons les choses au clair. Tom peut vous obtenir ce code. Mais ensuite, la puce est à nous. D'accord. Tenez. À toi de jouer, Tom. Montre un peu ce que tu sais faire. Allez, ma petite puce. Voyons un peu ce que l'analyseur va pouvoir faire de toi. C'est bon ! On a accès à la puce. Voyons si on bidouille les connecteurs analogiques. Hein ? Ah non ! Tu vas pas me lâcher maintenant ! Allez, tiens bon ! Ouf ! Fausse alerte. Ah ! Voilà. Les algorithmes de cryptage. Ok, on est toujours sur les rails. Et merde ! Ils ont ajouté des décimales au dernier chiffre. Ça va être... Allez, ma belle, fais voir ta séquence. Où elle est ? Une minute. Ils utilisent la même fonction logarithmique que le générateur de clés. La vache, on a du bol. Je te tiens, saloperie. Je te tiens. Plus qu'à trouver N. Allez, donne-moi cette foutue base. Et voilà le travail. Ça y est, on a le code. Attendez, je vais
mais sur Holoband. Bien joué, Tom. Pas sûr qu'on ait autant de chance le prochain coup, Dez. Commence à te pencher sur le reste de la puce. Quant à vous, j'aimerais beaucoup retravailler avec vous. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Mais que ce soit bien clair. Si vous utilisez ces données et découvrez quoi que ce soit sur l'Institut, vous nous en parlez en priorité, ou nos relations risquent d'en pâtir sérieusement. Pas de coups fourrés, compris? Allez parler à la patronne. Je me demandais si je vous reverrai un jour. Alors, vous avez réussi. J'ai le code. J'aurais dû m'en douter. Après tout, vous nous avez bien débarrassés de Kellogg. Éliminer un chasseur, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Comment vous avez réussi à la décrypter? J'ai fait appel au réseau du rail. Oh, cette bande de dingues. Moi qui pensais qu'ils passaient leur temps à venir en aide aux distributeurs automatiques ou aux ordinateurs en difficulté. Désolé, ils n'ont pas une réputation très glorieuse. Moi non plus, je n'ai pas chômé. J'ai fait tout ce que j'ai pu en fouillant dans mes souvenirs et dans toutes les informations que j'ai pu glaner au fil des ans. Et voilà les plans que j'ai pu en tirer. J'ai eu du mal avec ces mains. Elles ne sont pas faites pour du travail de précision. Pour faire simple, vous allez devoir assembler un appareil capable de pirater le signal utilisé par l'Institut pour téléporter ces chasseurs, de manière à ce qu'ils vous téléportent à leur place. Vous savez ce qui est le plus fou? Cette station de musique classique. Ces ondes servent de signal porteur pour le relais. Toutes les données sont codées en fréquence harmonique. Tout le monde les entend. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon rayon. Je travaille en biosciences, pas en ingénierie ni en système avancé. Je sais que ça va marcher. Attention, je ne vous garantis rien. Mais si vous pouvez fabriquer cet appareil et utiliser le code, vous devriez pouvoir pirater le signal du relais de l'Institut. Vous en êtes capable? Vous connaissez des gens qui pourront vous aider? C'est un sacré boulot pour une seule personne, même comme vous. J'ai la situation bien en main. Tant mieux. Parce que vous devez réussir à entrer. Pour nous deux. N'oubliez pas notre accord, hein? Je vous ai aidé du mieux que j'ai pu. Si vous réussissez à entrer, trouvez le sérum. C'est ma seule chance. Redevenir... normal. Trouvez-le, je vous en prie. Allez. Prenez ça et mettez-vous au travail. Faites le nécessaire. Faites-vous aider par qui vous voulez. Ah, qu'est-ce que c'est que cette odeur ?
protéger et servir. Pardon. Si on doit bosser ensemble, je dois d'abord m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'est un synthétique, pas vrai? Oui. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Bien. L'Institut les considère comme des objets qui lui appartiennent. Des outils. Continuez. Donc on essaie de libérer les synthétiques de leur chaîne. De leur offrir une vie normale. J'ai une question pour vous. La seule qui compte. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour votre prochain, même si ce dernier était un synthétique? J'ai fait le serment de protéger mes compatriotes à une époque. Je ne vois pas en quoi ce serait différent. Bien dit. Vous avez des aptitudes et un état d'esprit qui nous intéresseraient, normalement. Mais on n'a pas le temps de former de nouveaux agents actuellement. Ceci dit, il y a d'autres manières de contribuer à notre cause. Et en échange, on pourra aussi vous aider. Deacon vous en dira plus. Vous pouvez y aller. Les gens sont venus ici. Ouais, j'espère que le comité d'accueil ne vous a pas fait peur. Quand on se frotte à l'Institut, on doit faire gaffe quand une nouvelle tête s'invite à la fête.